À Paris, où l'éclipse était presque totale, 99,4%, plusieurs centaines de milliers de personnes ont aussi chaussé leurs lunettes sur les Champs-Élysées, la Tour Eiffel ou la butte Montmartre. 2000 policiers avaient été déployés, les services du SAMU et des pompiers mis en alerte. Fort heureusement, tout s'est bien passé et on a même tourné en dérision les prévisions apocalyptiques de Paco Rabanne. Commentaire Hélène Hugues avec les équipes de reporters d'images de la rédaction. La ville lumière sous d'éblouissantes ténèbres. Mais l'apocalypse annoncée par Paco Rabanne n'a pas eu lieu. Et la station Mir n'est pas tombée et Paris ne s'est pas enflammé. Quelques centaines de manifestants ont fêté les erreurs de prophétie du couturier par un très ironique apéritif des survivants. Partout ailleurs dans la capitale, on a ignoré les prédictions catastrophistes. Le spectacle d'abord, dernier préparatif, dernière distribution de lunettes, mouvementée à la Villette. Mais ouais, ils m'ont écrasé la main, ce bâtard. Chacun part alors à la recherche de la meilleure place. Entre deux nuages, les spéculations vont bon train. Je crois que ça va être que la lune qui va venir en première. Mais en fait, tout le monde a dit que c'était le soleil. Que le spectacle commence, l'astre mort grignote lentement l'astre de feu. Paris s'émeut. Je vais l'avoir qu'une fois dans ma vie. Là. 186 minutes durant, le soleil et la lune se disputent les monuments. À midi 22, l'éclipse est à son maximum, 99,4%. L'obscurité ne sera pas plus intense. Paris s'éblouit. Je suis très contente d'être venue. J'avais jamais vu d'éclipse. Il est plus que temps. Qu'est-ce que je vous dise? C'est waouh, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Je peux retourner, s'il vous plaît là. Car chaque seconde comptait, les spectateurs de l'éclipse le savaient bien. La représentation serait unique.